Michel, les années 70, le football français, c'était un peu Michel Mézy, Jean-Michel Larqué et Henri Michel au niveau de un peu des stars du championnat, des garants du beau jeu. Donc la disparition d'Henri Michel, j'imagine, c'est ça te touche. Oui, ça me touche profondément, puisque, si vous voulez, depuis l'âge de 17 ans, nous sommes ensemble depuis l'âge de 17 ans, en équipe de France Junior, en équipe de France Espoir, en équipe de France A. Et c'était le plus doué et le plus complet de notre génération. Je pense qu'après, il a eu une carrière formidable. Et de toute façon, c'était un garçon plein de vie, un garçon du Sud qui aimait rigoler, mais qui avait une capacité physique à se dépasser à tout moment. Et techniquement, il était au-dessus du lot. Et je crois que le football français vient de perdre quelqu'un d'excessivement important. Il avait été très touché par le fait d'être démis de ses fonctions après le match de Chypre en 88, je ne me rappelle plus quelle date on était. D'ailleurs, j'y étais au match. Et En tant que aujourd'hui, le sélectionneur de football l'équipe de France. En est tant que sélectionneur de en l'équipe tant de que France. sélectionneur. Et si tu préfères, c'était un garçon qui était attaché aux sélections, très attaché. Et puis, c'était un meneur, un leader, et je crois que le monde du football doit lui tirer un grand coup de chapeau. Parce que d'une part, il le mérite, et parce que d'autre part, c'est quelqu'un qui laissera quand même une trace, de son passage dans le football français. Il y a même pas 3 semaines, je déjeunais avec lui et on avait passé un très bon moment en se remémorant beaucoup de choses. Donc ça fait beaucoup de peine parce que 53 ans pratiquement de vie, je dirais pratiquement commune, quoi. On a été le plus souvent adversaires, mais très respectueux l'un de l'autre. Et je crois qu'Henri Michel fait partie de ces gens qui auraient intégré la famille Nicolin et celle du Montpellier Hérault avec un grand bonheur. Et l'an dernier, à la même époque, on mangeait au Mas Saint-Gabriel. Et je crois que pour Louis Nicolin, ça avait été aussi fabuleux de rencontrer tout ce monde-là. Et même pour Laurent et Olivier. Alors aujourd'hui, grand coup de chapeau. Le Montpellier Hérault s'associe à la douleur de la famille et surtout du football français.